Aujourd'hui, les équipes en finale entraient en grand sur la glace. Cinq matchs se succédaient et la journée a débuté par une victoire de Grenoble face au Rapide du Lac-Saint-Jean. C'est super parce que c'est la première fois qu'une équipe française gagne, et surtout c'est Grenoble. Et moi, personnellement, l'année dernière, je suis allée. On était éliminés au deuxième tour. C'est plus de 220 000 spectateurs qui sont venus encourager les équipes Pee-Wee pour la 64e édition, un chiffre plus grand que l'an dernier. C'est vraiment au-delà de nos espérances, au niveau de l'assistance, au niveau de la participation, au niveau de tout. Sincèrement, on ne peut pas être plus heureux que ça. Donc, quand on dit que ce n'est pas juste un tournoi de hockey, que c'est un événement, mais je pense que c'en est la preuve aujourd'hui. C'est le spectacle sur la patinoire et toutes les activités connexes qu'on fait aussi au niveau du tournoi. Je suis venu ici avec mon grand-père, mon père, puis finalement, je viens ici aussi avec mes gars. C'est beaucoup cool, là. Pour la finale féminine, l'Amazone Laval-Montréal a subi une défaite, mais les filles sont très fières du chemin parcouru. On a perdu nos deux premières games. Après ça, on a juste gagné nos games, puis on était vraiment fiers. Les filles ont été motivées et positives tout au long du week-end. C'était un long processus, passer par le tournoi de la deuxième chance, puis revenir en grande finale. Les Stars de l'Autriche viennent tout juste de l'emporter 3-2 dans la catégorie 2A au grand bonheur des familles d'accueil. Yeah! Je suis tellement stressée, j'en shake, ça n'a aucun bon sens. C'est des émotions des montagnes russes. L'énergie de la victoire était très palpable. C'est juste d'être ici, de participer à ce tournoi-là, c'est un exploit en soi. Puis tu sais, les jeunes qui est le futur de demain, les encourager à cet âge-là, tout le monde veut être des professionnels. Puis c'est le fun de voir l'engouement. Fantastique, c'est vraiment un super feeling. C'est drôle parce que quand mon père il compte pour une équipe, c'est l'autre équipe qui gagne. Ça permet de voir les autres pays aussi en action. Leblanc, la fête, le tir, le but! Une médaille d'or a été remportée par une équipe de la province de Québec, le Vert et Or de Saint-Hyacinthe, finale 2A Élite. Champion à Québec! Tout à fait! Virginie Gagnon, TVA Nouvelles, à Québec.